Et il y a cette affaire incroyable que vous allez nous raconter, que vous racontez dans votre livre publié aux éditions du Trésor, Inattendu que, tour du monde des curiosités juridiques. C'est ce fameux singe, Naruto, qui s'est emparé d'un appareil photo, qui s'est pris en photo, et là, ce sont les ennuis qui commencent. Elle ressemble à quoi cette photo déjà ? Alors, il y en a plusieurs, c'est toute une série. Donc déjà, juste pour expliquer un peu le contexte, c'est un photographe qui va dans une réserve naturelle où il y a des singes, et un des singes lui vole son appareil, et il prend des selfies avec cet appareil. C'est incroyable. Et donc, les selfies sont géniaux, parce que le singe est très souriant. Vraiment, il a les dents de sa couleur, c'est-à-dire jaune, c'est normal, puisqu'il ne se lave pas les dents. Donc exactement. Et d'ailleurs, non, il sourit à pleines dents sur les photos. Il a l'air heureux, quoi. Il a l'air très content de lui et d'avoir volé cet appareil photo. Et surtout, il a l'air de comprendre ce qu'il fait. C'est ça qui paraît dingue. Oui, c'est ça qui est hyper bizarre et qui est d'ailleurs super surprenant. Vous pouvez voir cette photo de Naruto le singe sur Internet, et ces photos, elles vont faire le tour du monde. Ouais, exactement, parce qu'elles sont tellement drôles et amusantes que tout le monde va en parler. Et c'est d'ailleurs ce qui va causer des problèmes, des ennuis à ce photographe, parce que c'est son appareil photo, mais c'est pas lui qui a appuyé sur le bouton. Donc il y a toute une question qui s'est posée sur droit de la propriété intellectuelle, à qui appartiennent ces photos ? Eh oui, et ben alors, donc c'est... Moi, je n'ai pas répondu à la question. Oui, c'est vrai. Alors là, vous êtes beaucoup plus capé que moi pour répondre à cette question. Alors, c'est le singe qui s'est pris en photo, c'est l'appareil photo du photographe. Ouais, alors, à qui appartient... Il y a des militants de la cause animale qui vont mettre les photos sur la base de données libre de Wikipédia, ouais. Estimant que les photos n'appartiennent à personne, parce que les singes ne peuvent pas appartenir des photos, ni avoir de droit d'auteur, parce qu'ils ne disposent pas de la personnalité juridique. Et donc ces photos, elles vont se retrouver sur une base libre, et donc ça veut dire qu'on peut les utiliser sans payer de droit au photographe. Et donc là, c'est lui qui va intenter une action, va demander à Wikipédia de retirer les photos, et en fait donc les dirigeants de Wikipédia vont se réunir et vont estimer que ils disent pas que les photos appartiennent aux singes, parce que c'est pas possible, mais ils estiment que puisque c'est pas le photographe qui les a prises, elles n'appartiennent donc à personne, elles sont donc dans le domaine public et donc libres d'utilisation. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.